Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Plantes vs Zombies 2. On est parti pour la suite de notre aventure. La dernière fois, nous avons terminé la pyramide de la mort. Alors quand je dis terminé, on s'est arrêté au level 10, hein. C'est ici qu'on a perdu. Donc on a quand même été assez loin, donc j'étais assez content de moi. On a également débloqué une nouvelle plante qui est le sorte de... Je crois que c'est un poireau, je suis pas sûr, mais je crois que c'est un poireau qui tape au corps à corps, donc on va pouvoir le tester. Alors avant de continuer le level, je vois que là on a une nouvelle quête épique disponible, donc on va directement se la faire et je vais avant aller dans les jardins pour voir s'il n'y a pas des plantes qui ont poussé depuis. Et si, bien entendu, alors on a, oula, on a gagné 3 boosters, c'est pas mal ça en vrai. On a gagné 3 boosters différents, ça va bien nous aider par la suite. On va essayer de les garder si possible. On va replanter des plantes et on va les arroser immédiatement. Il y a quelques vidéos où j'ai oublié de directement partir sur le jardin, donc cette fois-ci j'oublie pas. Et je me concentre sur le jardin. Donc voilà. Et donc maintenant, on va aller directement faire la nouvelle quête épique qui est disponible. C'est parti. Celle-là, on l'a terminée. Ah d'ailleurs, on n'avait pas débloqué les pièces. Ok, formidable. 1000 pièces en plus. Des bonus pour améliorer l'éclateur de tombe. Donc ça, c'est cool, il passera level 2. Également des bonus pour améliorer le tapshoy. C'est tapshoy qui s'appelle. Ok. Bon, pour moi, c'est un... Pour moi c'est un... Ça a l'air d'être un poireau. En tout cas ça ressemble à ça, je crois. Et là on a un bonus d'une nouvelle plante qu'on n'a pas encore débloquée. La grenade. Ok, donc ce sera pour plus tard. Alors du coup, c'est parti. On y va. Tire un poids c'est bien, mais en tirer deux et doubler sa puissance de feu c'est encore mieux. Ah, on va faire un level où on pourra utiliser le double pistolet poids. Très bien. Allez c'est parti, allons-y. On y va. Ok. Alors, bah écoutez, du coup, je vais en profiter, je pense, pour vous montrer un peu ce que donne le tapshoy, qui est vachement cool. En fait, on va le placer derrière des noix, parce qu'ils peuvent taper derrière les noix. Si je me rappelle bien, j'espère que je dis pas de conneries, ça devrait être bon. Donc, on va encore prendre les tournesols, on va prendre le pistopois, on va bien entendu prendre les noix. Alors, on est obligé d'utiliser les boosters, en fait. On n'a pas trop de choix. Ils ont été boostés, en fait, du coup, on n'a pas trop de choix, on est obligé d'utiliser... Alors qu'est-ce que je pourrais du coup prendre là? Je pense qu'on va prendre l'éclateur de tombe. Et vu que j'ai l'éclateur de tombe... Non allez, on va prendre... Ah si, vu que j'ai l'éclateur de tombe, on va prendre le boomerang floral. On va pas prendre le chou. Et on va essayer de s'en sortir avec ça. Je pense que ça devrait le faire. Allez c'est parti, let's go. Je suis pressé de vous montrer le poireau du coup pour vous montrer un peu ce qu'il donne. Il est plutôt cool, moi j'aime beaucoup. Il est assez fort, il fait pas mal de dégâts. Et donc derrière une rangée de noix c'est super efficace hein. De toute façon c'est le seul moyen de vraiment l'utiliser. Parce que si vous le mettez pas derrière une rangée de noix, il va généralement se faire détruire assez rapidement. Donc derrière la rangée de noix c'est parfait. Alors on va directement placer, hop, un petit pistopois. On va virer aussi cette tombe rapidement, parce que sinon le pistopois va pas pouvoir être efficace. Et... Alors est-ce qu'on aura le temps de... Est-ce que j'aurai le temps de vous montrer montrer ce que donne le poireau dans ce level. Je me pose des questions parce qu'il n'y a pas beaucoup de vagues. Il a pas l'air d'être long. Il y a deux vagues. Bon, on verra bien. Hop, on va enlever ça. On va placer. On va déjà faire la rangée de pistopois. On verra par la suite. On peut peut-être commencer à placer des noix. On va regarder où est-ce que je pourrais placer les noix. Là, je vais faire une rangée de boomerang. Ok, les noix, on peut les placer ici. Je pense que ce sera pas mal. On va placer les noix là. Je pense que c'est une très bonne idée. On fait une rangée de noix là. Et écoutez, bah je vais placer directement le poireau pour vous montrer un peu ce que ça donne. Regardez. Donc là, il va s'approcher de la noix. Et bam, 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 bam. Voilà. Donc c'est énormément de dégâts. Et c'est super, super, super utile. Je vais peut-être pas utiliser le booster du coup. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va pas utiliser le boomerang. On va essayer de s'en sortir sans ça. Et je pense qu'on peut y arriver. On va placer des noix et des poireaux du coup un peu partout. Là je vais placer le poireau ici. J'aurai le temps de placer la prochaine noix pour défendre le petit poireau. Alors c'est peut-être pas un poireau, j'appelle ça un poireau. J'en sais rien en vrai ce que c'est. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Donc du coup je vais continuer à l'appeler le poireau. Ou le tapshoy hein, si je retiens son nom. C'est pas facile mais bon. Voilà, donc là on commence à faire notre petite rangée de tapshoy. Ça revient assez rapidement hein. Ça coûte 150 mais ça revient très rapidement. On peut en créer pas mal. Et là voilà. Donc là on est totalement invincible. On est très très bien dans la gamme. On devrait pas avoir de problème.
Regardez les dégâts, c'est tellement efficace. C'est beaucoup trop efficace, franchement. Oh. Cette plante, vraiment, je l'adore. Je pense qu'on la prendra à chaque fois. C'est beaucoup trop fort, beaucoup trop fort. Hop, on va placer du coup la dernière noix. Et voilà, et donc là nous avons forcément gagné. Puisque je vois pas comment ils peuvent détruire les noix. Ils se font détruire très rapidement par les tapshoy. Et ça c'est cool. Je vais même pas utiliser les boomerangs, tiens je vais essayer comme ça. Je vais mettre des, ouais mais est-ce que le booster n'est pas utilisé du coup? Est-ce qu'on garde le booster si on l'utilise pas? Je crois qu'il est quand même utilisé. Je crois, c'est pas grave. On va pas l'utiliser, on va voir. Donc on va mettre une petite rangée de pistopois. Voilà, parfait. En plus on a deux engrais. Ah, c'est tellement plus facile que la pyramide de la mort. Quand on passe au vrai level et que on oublie la pyramide de la mort, finalement le jeu est pas si compliqué, en tout cas pour l'instant. Je vous rappelle qu'on est encore au premier monde, hein. On est encore à l'Égypte antique. Je serais peut-être moins le malin quand on sera au monde numéro 4. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit que le monde numéro 4 il était totalement insane, totalement compliqué. Donc ouais, il y a moyen que je fasse moins le malin quand on arrivera au prochain monde. Tiens, je vais continuer à mettre des poireaux là, avec des noix de vent. Allez, des poireaux partout. Bam, bam, bam. Ça tape, ça tape, ça tape, c'est formidable. J'ai presque rien à faire en fait. Juste à ramasser les pièces, les bonus. Pourquoi il se fait pas taper par le... Ah oui d'accord, il faisait autre chose. Ah, il était en train de faire autre chose. Très bien. Je regarde, je ne fais rien. Je suis actuellement spectateur, je suis comme vous en fait là actuellement. Je regarde, je ne fais strictement rien. Et on peut accélérer le temps. J'avais complètement oublié. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je retienne, hein, accélérer le temps. Parce que c'est quelque chose que je fais jamais. Et ça vous permet de faire les levels plus rapidement. Surtout sur ce genre de level où t'es pas obligé de réfléchir quoi, et que tu sais très bien que tu vas gagner. Encore les levels où t'as besoin de réflexion, t'as besoin de prendre du temps pour poser tes plans, tu vois. Tu vas peut-être pas accélérer, mais là on sait très bien qu'on a gagné et qu'il y a vraiment aucun problème. Tiens, on va utiliser une... on va faire ça, je vais prendre cet engrais. Merci pour l'engrais. On va faire ça aussi de ce côté là. Bam 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 bam. Incroyable. J'ai 1550 soleils. Si ça c'est pas la folie. C'est beaucoup trop fort, mais regardez comment ça tape. Regardez comment ça tape. Derrière une noix, c'est juste totalement balèze. On va mettre les engrais là. Bam, 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 bam. Oh, là c'était en train de passer. Ils ont quand même réussi à casser une noix et tuer un tapshoy. Bravo à eux. Mais ce ne sera pas suffisant malheureusement. Ils vont succomber à ma puissance et c'est terminé. Alors qu'est-ce qu'on gagne? On gagne juste des pièces, je crois. Pourquoi ils ont parlé de double pistopois? Ils ont parlé de double pistopois à un moment. Est-ce qu'on gagnerait pas un double pistopois? Ce serait cool. Je crois pas que le double pistopois on le gagne maintenant, donc ça m'étonnerait. Très bien, bon, à débloquer le double pistopois. Ah, encore 5 niveaux. Ok, non, il nous indique juste que dans 5 niveaux, on a le double pistopois, si je comprends bien. Ok. Très bien. Très très bien. Pas mal du tout. Alors, je vais aller améliorer rapidement la petite plantounette, l'écraseur de tombe, l'éclateur de tombe, excusez-moi, qu'il faut que j'améliore. Il est ici, il est beau. Amélioration, ça coûte 1000. Voilà, éclateur de tombe amélioré. Donc ça lui permet d'être plus rapide et d'être plus robuste. Il a deux statistiques en fait. Est-ce qu'on peut en améliorer d'autres? On peut pas encore en améliorer d'autres en fait. En fait, quand on dit en obtenir davantage, rejouer des niveaux ou terminer des quêtes du carnet de voyage dans le monde Égypte antique et gagner des pinatas qui donnent des sacs de graines. Ok. Très bien. Ils disent de rejouer les levels. Je sais pas si on fait les autres levels. Est-ce qu'on va débloquer des... Ouais, on verra bien. Très bien, bah écoutez, c'est parti du coup cette fois-ci pour vraiment la suite des levels. Eh ben non, attendez, on vient de faire ce level 14. Donc on a bien fait la suite là, hein, en faisant les bonus. En fait, ça... Niveau suivant. Mais en fait, le carnet de voyage, depuis le début, je me trompe. Le carnet de voyage, c'est... c'est tout simplement la suite des levels. Là par exemple ils nous disent qu'on va débloquer le double pistopois dans 5 niveaux. Ce qui est vrai, le double pistopois est ici. Ok. D'accord, donc en fait depuis le début je me trompe un peu hein, quand je fais ça. Il hein. Oh, y a tellement de choses à faire, regardez. On peut jouer à plein de choses. Bon allez, on va avancer dans les levels, on verra plus tard. On verra plus tard les levels bonus. On verra. Ah, attention. Nous avons reçu un appel d'une plante sur les téléphones banane. C'est un SOS. Ok, donc là il y a forcément des plantes tournesol qu'on ne peut pas bouger. Les plantes vont se faire tuer comme des lapins si nous ne les aidons pas. Prenons cette racine et allons les sauver.
Survivez tout en protégeant les plantes menacées. Ok. Donc là, il faut protéger les tournesols. On n'a pas le choix. Bon, on va mettre des noix devant, je suppose. Donc là, vous avez vu que le bonus a été utilisé sur, sur le boomerang. Même si on l'a pas utilisé, le bonus s'utilise quand même, le boost. Très bien. Bon, du coup, on va prendre... Alors, est-ce qu'on prend des tournesols, du coup? Est-ce que c'est utile alors qu'on en a 3? On va quand même en prendre, on va en poser peut-être moins du coup. Des pistes poids, bien entendu les tap shock, les noix, les boomerangs. Je vais garder le bonus de ça. Et du coup, les éclateurs de tombe. Et c'est parti. Ok, on va devoir les protéger. Elles sont vachement près. Du coup, ça va être un peu compliqué. Je vais pas mettre beaucoup de boomerangs du coup. Je vais juste faire ça. Voilà, ça suffit. Et du coup, on va poser ça ici, et là je mettrai les noix avec les tap choy de ce côté là. Ici on va faire deux lignées de pistes au poids, et je pense que ce sera très bien. Ouais, c'est la bonne stratégie, je pense que ce sera pas mal. Alors on va accélérer du coup, moi je le sens bien, on va accélérer, pas de problème. Alors peut-être pas vers le bas. Oh, vite, hop, on met ça, on accélère, c'est parti. En fait on peut accélérer de temps en temps. Là par contre c'est pas bon là, faire attention ici. Ouais, en vrai accélérer au début c'est un peu emmerdant. Je trouve ça compliqué d'accélérer au début. Et là on va commencer à poser des noix. Et on mettra la petite lignée de tap choy qui va certainement bien nous aider. Ouais non, c'est difficile d'accélérer au début parce qu'on sait pas trop comment on va poser nos plantes. Enfin je sais comment on va poser nos plantes, mais il faut réagir des moments très rapidement. Donc l'accélération je la mettrai quand je serai quand j'aurai commencé à poser vraiment toutes mes plantes. Et pour l'instant c'est pas le cas. On va reposer une noix ici. Hop, voilà. C'est incroyable, c'est beau. Ça respire la beauté. Ah mais non, mais du coup je vais pas utiliser les boomerangs. Ah mais les boomerangs on pourra les mettre là. Ce sera pas forcément utile. Ouh là là, vers le bas. Ouh là 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 là. Attendez, on va peut-être perdre une plante là. Est-ce qu'il va mourir avant? Oui, il va mourir avant. Ok, ce level là est pas si facile que ça en soi hein. On va essayer de rajouter un boomerang ici au milieu, je pense. Ça peut nous aider à détruire toute cette, tous ces zombies cachés derrière des plaques. Voilà. Donc en fait, on va poser 3 boomerangs de cette façon et ce sera pas mal, je pense. Il nous manque encore 2 noix à poser, mais on sera totalement bien protégé. Hop, voilà. On va mettre un tap choy ici, tiens, pour aider à buter ce sarcophage d'or. Parce que sinon, il va trop nous abîmer notre noix. Bah écoutez, là, je pense qu'on est bien. On aura peut-être pas le temps de poser toutes les plantes. C'est même sûr. Oula, en bas, il va falloir poser vite, une noix. Voilà, et là on peut commencer à accélérer, je pense. Sans trop de soucis. Le tap choy en bas. Hop, voilà. On va aussi poser un tap choy au milieu. Et ça tape. C'est ma façon de jouer. Hop, un tap choy ici. Meurt. Et on va reposer un autre, comme ça au moins on sera bien protégé. Et on sera tranquille. Oula, on va récupérer l'engrais. Il faut utiliser les engrais, hein, faut pas hésiter. Bam. Et on va poser le boomerang en haut. Alors vous faites quoi là? Vous faites quoi? Vous arrivez pas à passer? Alors vous êtes mauvais? Vous êtes bloqué? Vous êtes nul? Oulala, ils ont balancé les sarcophages. Ah oui, là ça rigole pas. Ils ont balancé les sarcophages partout. Ils sont dit, c'est parti. On va faire une dernière vague où on va essayer de les détruire rapidement. Mais ce sera pas suffisant pour eux parce que nous avons les tap choy qui tapent et qui font totalement un carnage. Et voilà, c'est réussi. Donc on peut accélérer le temps quand on est bien placé au niveau des plantes. Vous avez vu, ça passe tranquillement. Et y a pas de souci. Ça nous permet aussi d'enchaîner le level plus rapidement parce que c'est vrai que les levels ça peut être un peu long. Et ben voilà. Ils vont nous le dire à chaque fois le nombre de levels qu'on a encore besoin de faire pour débloquer le double pistolet poids. C'est sympa, mais oh là 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 là, 3000 d'or. On a à l'amélioration du double pistolet poids qu'on pourra utiliser dès qu'on peut. Oh, on récupère encore des bonus. Très bien, ça c'est cool pour la boomerang, pour le boomerang floral. Ça c'est bien. Allez, niveau suivant, c'est parti. Enchaînons. Hey, dégage avec ta pub là, je m'en fous de ton jeu de merde. Merci. À la prochaine. Alors, associer les symboles pour éliminer les zombies. Ah, ça on l'avait déjà fait. Ok, ils nous remettent un mode qu'on a déjà fait. Pas de soucis, je gère du pâté, je connais. On sera peut-être un peu plus difficile, je sais pas. Hop, incroyable, du premier coup. Ok, ça on connaît. En vrai, ça c'est simple, j'ai une... Alors j'allais dire, j'ai une plutôt bonne mémoire, ce qui est... faux. En fait, j'ai une bonne mémoire à court... Non, je pense que j'ai une bonne mémoire à court terme. Mais une mémoire à long
terme. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, si c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais là c'est vrai que c'est la mémoire à court terme qui est importante. Donc il y a pas de souci avec ça. Ah, je dis ça mais je me trompe plusieurs fois quand même. Donc c'est assez con de ma part. Oh voilà, le plou il était là je crois. Il était où? Non, il était là. Incroyable, ça c'était de la chance. Pur et dur, là aussi c'était de la chance. Ok, il y avait la casquette là, ça je me rappelle. Tête de mort ici. Soleil, soleil, soleil ici. Tête de mort ici. Incroyable, le plot était là. Non, ça on l'avait pas encore. En vrai là ça peut être compliqué. Après à vrai dire on peut se tromper. Donc il y a juste à cliquer partout. Et généralement ça passe tranquillou. Par contre j'ai pas de casquette. Ah bah voilà, c'est ce que j'attendais. Vite il me faut un... Vite il me faut un plot. Un plot vite. Oh il est là, oh là là mon dieu. Ils nous l'ont donné quand même vachement en retard hein. Du coup des moments faut attendre assez longtemps pour avoir ce qu'on veut. Au moment il y a des symboles qu'on n'a pas et on doit forcément attendre le dernier moment. Donc c'est pas de notre faute voilà si on doit attendre. Enfin si je dois attendre. Qu'est-ce que je fais là? Putain les symboles sont ici. Oulala, 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 par contre ça va être difficile. Ok, concentration maximum. Le soleil était là. Hop, on le prend ici. J'ai vu qu'il y avait le plot. Là il y a un autre plot. Oh là là, il n'y a pas de soleil en haut. Ici, c'est bon. Incroyable. La tête de mort casquette. Non, là. C'est stressant. Casquette ici. Non, non, non. Oula. Attendez, je fais n'importe quoi là. Tête de mort ici. Casquette ici. Ça commence à être chaud du cul. Ça commence à être chaud du cul. On peut se le dire. Tête de mort là. Ouais, je sais, là, il y a quelque chose. Il faut un soleil. Y a pas un soleil quelque part là, voilà. Casquette. Oh là là, énorme vague de zombies. Faudrait que je finisse ça rapidement pour être tranquille. Yes, ok. Oh non. Si, énorme vague de zombies, c'est parti, on y va. Mais non, mais des moments en fait je me trompe parce que je prends le dernier truc que j'ai vu. C'est ça l'énorme vague de zombies? On a eu plus dur juste avant donc un peu étrange. Ok, c'est réussi. C'était quand même plus dur que la dernière fois, ce qui est normal, la difficulté augmente. Et j'ai un peu galéré parce qu'il y a des moments c'était assez juste, mais on a réussi. C'est le principal. Oh, par contre, au niveau des pièces, ils sont radins. Attendez, ils nous ont donné 50 pièces. Putain, les mecs, quoi. Je pensais beaucoup plus sympa que ça, mais là, 50 pièces, c'est pas beaucoup. Allez, niveau suivant. Là, on essaye d'enchaîner, on essaye d'avancer un peu plus vite. Et j'avais pas autant... Je comprends pas. Je crois que c'est BlueStacks qui me fout des pubs comme ça. Parce qu'en fait, je vous explique, BlueStacks, de base, c'est gratuit. Mais si vous me... Mais il y a une option payante pour enlever les pubs. Sauf que moi, je veux pas payer un logiciel, ça m'emmerde. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez des pubs entre deux. C'est pas gênant, juste à fermer. Et voilà. Ne possédez jamais plus de 14 plantes. Alors 14 plantes ça fait presque 3 lignes. Ça fait 3 lignes moins 1. Ok, bon je pense que ça va être géré. Alors qu'est-ce que je pourrais faire du coup? On va pas faire beaucoup de tournesols du coup. Je pense qu'on va faire 3 tournesols. On va faire 3 tournesols. Et je vais faire... Ah merde, ils ont des plantes comme ça. Ah ça c'est emmerdant. Je vais quand même faire ça. Ne possédez jamais plus de 14 plantes. Donc je vais souvent utiliser la mine patate et souvent utiliser la salade glaciaire. Je pense que c'est le bon combo. Ça c'est des plantes en fait qui sont, bah vous les connaissez hein, de toute façon je vous explique à quoi ça sert. Mais vu que ce sont des plantes qui sont éphémères hein, elles explosent ou elles glacent l'ennemi et ensuite elles disparaissent. Ça peut être cool dans ce genre de truc où il faut pas plus de 14 plantes. Ok. Ils auraient pas pu faire 15 plantes au lieu de faire 14 plantes. C'est un peu le nombre un peu chiant, 14 plantes. C'est un peu casse-couille. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre on va juste mettre 3 tournesols. Et je pense que ce sera suffisant. Comme ça on pourra mettre plus de plantes pour se défendre. Alors par contre lui il apparaît vraiment au mauvais moment. Là je vais faire ça. Quoique je vais mettre un tapshoy là. Non c'est pas gênant, je vais poser un tapshoy. Ici je vais mettre deux pistopois. Un pistopois là, un pistopois là. Et ça devrait le faire j'espère. Je vais attendre que l'autre zombie pop avant de poser des trucs. Juste pour savoir où il est. Hop. Ok, il apparaît là. Bon, j'ai posé une nouvelle noix, hein, comme ça au moins c'est fait. Hop, pistopois ici.
Je pense qu'avec des tap choy et des pistopois, ça devrait le faire. Par contre, j'ai vraiment peur du... du zombie qui brûle les noix. Et ça, ça va être très dangereux, du coup. Donc, il va falloir faire gaffe. Hop, on va poser une nouvelle noix, peu importe, hein, ici. Par contre, il faut faire attention parce que je vous rappelle qu'on peut poser 14 plantes. Donc là, je suis... Ici, on va devoir faire un trou. Je vais faire un trou ici, en fait. Là. En espérant que juste ça, ça suffise. Bah, on va quand même poser le tap choy. Mais il n'y aura pas de noix de ce côté-là. Il n'y aura pas de protection, du coup. Ok. La petite noix. Yes, ça c'est bon ça. Hop. Bon, ça va, il n'y a qu'une vague d'ennemis. Donc ça devrait le faire. Une vague d'ennemis, c'est pas grand chose. Bon, on va accélérer le temps là du coup. Je sais pas pourquoi j'accélère pas. Je prends mon temps alors qu'on pourrait accélérer le temps pour aller plus vite. Ça faut que j'y pense à chaque fois, voilà. Et du coup on va poser nos dernières plantes, notre dernière tap choy. Et on sera à 14 plantes pile. Et ce sera bon. Il nous indique en haut à gauche, je viens de le voir là, il reste une plante. Et voilà, on peut pas en poser plus du coup. Là par exemple ça va être problématique contre lui. Je peux pas le geler. Ah merde, alors attendez, on va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. Au pire je peux reposer une noix très rapidement. Ah ouais, c'est pas du tout bon. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Oh merde, ok. Là du coup je vais faire ça. Oh là 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 là. C'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. Il va quand même mourir, heureusement que j'avais la salade glaciaire qui va bien m'aider, est-ce que ça sera suffisant? Ok. Là du coup je peux poser qu'une plante. Ouf, c'était chaud. J'ai un engrais, donc il va falloir l'utiliser au bon moment. L'engrais j'utiliserai quand il y aura les plantes avec, avec les torches hein. Enfin les zombies avec les torches. Donc la salade glaciaire n'a même pas explosé en fait. Au moment où je l'ai posée, ça a glacé tous les ennemis. Donc ça je le savais, c'est des gens qui m'ont dit sur Twitter d'ailleurs que c'était super utile. Et à chaque fois j'oubliais de l'utiliser. Et là c'est pareil, si j'utilise ça, ça glace tous les ennemis, on est d'accord? Et je vais essayer de le faire en bon moment en fait. Oula, attendez. On va prendre ça. Et je vais essayer de le faire au bon moment. Lui il va mourir du coup. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une noix ici pour protéger de ce côté là. Ok, les ennemis arrivent. C'est parti, ça va être le moment un peu compliqué. Je pense que je vais geler tous les ennemis quand ils seront un peu proches. Surtout quand il y aura les autres là. Attention, 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 attention. Bam. Hop, on gèle. On peut encore poser des plantes, ce qu'on va faire immédiatement. Et bah là je pense que c'est bon. Et bah voilà. Est-ce qu'il va le tuer là? Oh, en vrai c'était juste hein. Bon après j'aurais rasé le tournesol et j'aurais posé directement une autre plante pour survivre. Très bien, c'était vachement stratégique, j'ai bien aimé ce level. En vrai c'était vachement stratégique. Le fait de pas pouvoir poser plus de 14 plantes, c'était super intéressant. Ah, et là on va pouvoir avoir un emplacement supplémentaire. Je crois que c'est ça, non? Le plus 1, ça doit être un emplacement supplémentaire. Je suis pas sûr mais je crois que c'est ça. Recevez une dose d'engrais supplémentaire au cours d'un niveau. Ah, j'ai rien dit, c'est un booster d'engrais. Ok, ça permet d'avoir un engrais supplémentaire. Alors, un emplacement d'engrais, ou là je viens de gagner un engrais supplémentaire. J'espère que c'est un emplacement d'engrais, parce que si c'est juste un engrais supplémentaire. Après si c'est un engrais supplémentaire à chaque level, c'est pas mal aussi à vrai dire. Bon bah écoutez les potes, du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Plantes vs Zombie 2. Je pense que on a plutôt bien avancé. On a fait 3 levels si je me trompe pas. La prochaine fois on débloquera certainement le double pistopois. Là je vous ai présenté la nouvelle plante hein, qui est le fameux tap choy, qui est vraiment super cool. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je le trouve vraiment fort. Et je pense que je vais le prendre à chaque fois. En tout cas pour l'instant je vais pas le remplacer par d'autres plantes. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Plantes vs Zombie 2. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude les petits pouces bleus, les partages, etc. Merci encore à tous les gens qui soutiennent cette série et je vous dis à la prochaine. Salut.